qui est certain, c'est que la forme que prend le télétravail a évolué depuis le début de la crise sanitaire. On est passé d'un télétravail qui était avant tout une alternative à l'inactivité à un télétravail qui était plus un mode de réponse à des préoccupations de gestion des ressources humaines et en particulier de prévention de risques sanitaires. Alors face à cette situation, ce qui est particulièrement important, c'est d'organiser dans la durée le télétravail avec une véritable stratégie de télétravail. Je dirais qu'il y a trois questions qui me paraissent essentielles, notamment dans ce cadre-là. La première, c'est évidemment les questions de prévention des risques professionnels et de protection de la santé, avec la question de l'isolement professionnel, d'une vigilance particulière sur ces questions, qui est abordée dans l'accord national interprofessionnel qui vient d'être signé. La seconde, c'est la question de la gestion du temps de travail, parce qu'on a beau être en télétravail, les règles de gestion du temps de travail demeurent applicables, et donc la fixation de plages horaires permettant de contacter la personne et permettant d'organiser, qui sécuriseront aussi en cas de survenance d'un accident du travail. Et puis la deuxième, très importante également, c'est la question des coûts. Positif avec les économies en gain de place et donc la gestion immobilière qui peut en découler, négatif avec la maîtrise de la gestion des frais et des questions d'assurance, qu'est-ce qu'on met dedans et comment on organise tout ça. Donc les questions ne manquent pas. Alors clairement l'activité partielle qui a été véritablement boostée, si on peut dire, par le gouvernement. Et c'est un outil qui est encore utilisé aujourd'hui, en 2021, avec une question particulière qui est celle des renouvellements d'activités partielles qui peuvent être subordonnées à des engagements en termes d'emploi et les entreprises sont un peu hésitantes à souscrire à de tels engagements du fait des incertitudes. Donc ça, c'est un premier point de vigilance que l'on rencontre aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est comment utiliser les outils de gestion des congés payés et des RTT. Là aussi, le législateur a essayé d'encourager un recours à ces outils qui permettent, s'ils sont bien utilisés, d'essayer de retarder le recours à l'activité partielle. Et c'est sûrement un outil dont les entreprises devraient se saisir peut-être encore davantage.